Strasbourg, c'est à la fois la capitale de Noël, un joli clin d'œil avant ces fêtes de fin d'année pour rappeler ses valeurs de partage et d'accueil. Bonjour. Bonjour. Pas de thé, c'est où ? Oui, c'est pour moi. Merci. Je suis en fait fier aujourd'hui parce que je peux faire du repas vraiment syrien et vraiment damascien, vraiment de Damas d'origine. La fusion se passe bien entre l'Afghanistan et le Vietnam. On a pris un mélange de riz parce qu'on voulait goûter de ce qui allait avec et c'est sympa. Hein. D'accord. Ah, on aime la cuisine de tous les pays du monde. Le Refugee Food Festival est tout d'abord un formidable moyen d'échange, de mise en contact entre personnes qui ont la même passion, la cuisine, donc des restaurateurs français, des restaurateurs strasbourgeois et des chefs cuisiniers réfugiés. Et vous mettez aussi alors des amandes, des fruits secs, oui, de l'abricot séché. Pareil, c'est la même. Oui. En fait, c'est le full ou de fèves ici en français, c'est fèves, mais avec des sauces un peu compliquées. Hein. Parce qu'il y a de l'ail, d'oignons, tomates, poivrons, trois couleurs. L'aubergine, aubergine grêlée. Grillée. Ouais. C'est bon. D'accord, bon appétit.